Chers amis, je voudrais d'abord vous dire merci. Merci d'être si nombreux aujourd'hui à AGETMO. Merci de votre soutien, de votre confiance, de votre engagement. Et puis, merci d'y croire. Merci d'avoir la foi en nous, en toute une équipe qui est ici rassemblée pour les Landes. Et donc, merci bien sûr à vous, monsieur le maire, cher Serge, de nous accueillir dans cette belle ville d'AGETMO, dont on retiendra tous. Vous avez été élu un 18 juin, comme Alain Juppé. Point de suspension. Alors, cette élection régionale, comme vous le savez, c'est un vrai défi. D'abord, pour le réussir, ce défi, nous avons voulu l'union. L'union, ce n'est pas un mot, c'est une vraie adhésion à un projet commun mené avec plusieurs familles politiques, les Républicains, l'UDI, le MoDem, CPNT et beaucoup. Oui, oui, on peut applaudir. Et beaucoup de personnes de la société civile qui n'avaient encore jamais franchi le cap d'une élection et qui l'ont fait avec nous, à nos côtés, pour cette élection régionale. Et je tiens à saluer Geneviève Darrieussecq qui m'a aidée dans cette volonté d'union. Nous avons négocié au nom du MoDem avec François Bayrou, et c'est Geneviève Darrieussecq qui, ici, dans les Landes, m'a proposé la candidature de Pascal Requénin. Et à ce titre, je veux remercier très chaleureusement Geneviève Darrieussecq, parce que moi, Pascal Requénin, je ne la connaissais pas, et pour cause, ça fait 18 mois que je suis en politique, et j'étais essentiellement à ma tâche comme adjointe au maire de Bordeaux, et je n'avais jamais rencontré Pascal. Et c'est une vraie belle rencontre. Parce que Pascal Requénin, c'est une femme déterminée, énergique, saine, qui a des convictions, qui a des valeurs, qui s'est mise à fond dans cette mission. Je lui fais toute confiance. Elle est travailleuse, elle est courageuse, elle est intelligente. Et elle va réussir ce grand défi de faire basculer les Landes et de nous faire gagner pour cette grande région. Merci. Cette équipe, nous avons voulu, et nous l'avons dit, qu'elle fasse une vraie place aux femmes. La parité, beaucoup en parlent, peu la font. Mon opposant socialiste a une femme sur 12 dans les comme tête de liste. Parce que pour lui, la parité, c'est un homme devant, une femme derrière. Et bien pour nous, la parité, c'est 6 femmes à côté de 6 hommes. Alors j'y étais très attachée parce que je suis une femme, mais aussi parce que plus je travaille, plus je côtoie des femmes en responsabilité, et plus je me dis qu'elles sont bosseuses, travailleuses, accrocheuses, et que cette féminisation, cette parité, elle permet de révéler des femmes de talent. Et oui, messieurs, je sais, c'est difficile, mais rassurez-vous, la parité va vous protéger. Alors du coup, je voudrais rendre hommage à Marie-Françoise Nadeau. Parce que Marie-Françoise, nous avons voulu la parité et du coup, le département des Landes était effectivement, revenait à une femme. Et ça aurait pu être Marie-Françoise. Mais Marie-Françoise a compris que nous devions faire l'union. Et à ce titre, je tiens à te remercier, alors que tu es conseillère régionale sortante, avec un magnifique bilan, tu as parfaitement rempli ta mission, d'avoir eu cette élégance, de comprendre que bah, sur ces 12 départements, il y a 6 femmes, il y a 6 hommes, mais il y a aussi 2 têtes de liste MoDem, une tête de liste UDI et évidemment 9 têtes de liste Les Républicains pour un équilibre, pour réaliser cette union. Et donc je tiens à t'en remercier. Merci. Alors cet engagement politique, pour moi, il est tout récent. Comme je vous l'ai dit, il a simplement 18 mois, parce que à un moment donné, d'abord j'ai eu la chance
d'avoir la proposition d'Alain Juppé, maire de Bordeaux, ancien Premier ministre, qui m'a fait l'honneur de m'accepter dans son équipe au municipal et de pouvoir faire mes armes à Bordeaux, à ses côtés. Franchement, c'est la meilleure des écoles. Donc, et je tiens ici à lui rendre hommage. À lui rendre hommage d'abord pour le bilan qu'il a, sa carrure d'homme d'État. On va voir dans quelques mois comment tout ça va évoluer. Mais déjà à Bordeaux, quand vous connaissez l'évolution de Bordeaux, moi je suis née à Bordeaux, et comme un certain nombre de Bordelais, on est fiers et heureux d'y revenir après des années d'éloignement parce que cette ville a été transformée, cette ville est métamorphosée, cette ville est vraiment dans un rayonnement que tout le monde nous envie, en France, mais au-delà de la France. Cette ville est mondialement connue et cette ville, elle rayonne parce qu'elle a eu la chance d'avoir un homme d'État à sa tête, Alain Juppé, ici présent. Alors, je veux remercier Alain Juppé pour sa confiance, parce que c'est pas forcément facile de faire confiance à une femme qui venait de la société civile, qui n'avait jamais eu d'expérience politique pour occuper des responsabilités. Et puis, c'était aussi une confiance renouvelée en me lançant dans cette campagne des régionales. Alors, c'est l'ensemble de la famille des Républicains qui a accepté ma candidature et je suis fière, honorée de porter ces valeurs que nous partageons, des Républicains, de l'UDI, du MoDem, de CPNT, pour cette grande région. Et je veux à nouveau remercier Alain Juppé de sa confiance et surtout vous dire que pour moi c'est un modèle. J'apprends à ses côtés chaque jour. J'ai observé, écouté, appris, j'espère, déjà un certain nombre de choses. Et puis, regardez cette méthode qu'il a mise en œuvre à Bordeaux et qui, pour moi, est le modèle, comme je le dis un peu immodestement, j'aimerais réussir à faire pour cette grande région ce qu'Alain Juppé a fait pour Bordeaux. Alors, il y a des valeurs qui me tiennent particulièrement à cœur et que j'espère je vais pouvoir mettre à profit de cette grande région. La première des valeurs, c'est la responsabilité. Je crois qu'on ne supporte plus cette phrase célèbre de responsable mais pas coupable. Les citoyens attendent de nous que nous soyons responsables, que nous assumions nos actes, nos décisions, que nous rendions compte, que nous ayons des résultats et que nous assumions qui on est et ce que l'on fait. Alors, quand j'entends M. Alain Rousset expliquer que lui vient du business et moi du show business, je vous avoue que quand même, je trouve un peu fort de café qu'un homme qui n'a jamais mis les pieds dans une entreprise privée puisse oser prétendre venir du business. Quant à moi, j'assume ce que je suis, pas du tout du show business, mais... c'est vrai que j'ai côtoyé le monde du show business via quelques responsabilités dans des entreprises médias. Et de ce point de vue-là, je peux vous assurer que c'est fort utile. Parce que ça m'a appris une chose, c'est à côtoyer des gros égos. Et quand on arrive en politique, je vous assure, c'est un bagage très utile. L'autre valeur à laquelle je suis très attachée, c'est la liberté. La liberté de pouvoir. Enfin, j'ai eu la chance, parce que j'ai travaillé 20 ans en entreprise, 5 ans comme expert comptable, commissaire aux comptes, et puis 15 ans comme directeur financier, directeur général, ou PDG de grandes ou de petites entreprises. Ben, c'est d'avoir travaillé dur qui m'a conféré une liberté de penser, une liberté d'agir, une liberté de choisir, une liberté de transmettre, d'encourager les initiatives, et puis de savoir aussi refuser, savoir dire non, savoir se lever, savoir rester fidèle à ses convictions. Et une autre valeur qui me tient particulièrement à cœur, c'est le courage. Parce que je crois qu'on ne réussit rien si on ne va pas jusqu'au bout, parce que le courage, ça va avec l'effort, parce que le courage, c'est aussi ce qui donne du mérite, et parce que la vie est difficile, elle est rude même pour certains, mais que la vie devient vraiment grande avec du courage. Alors c'est vrai que certains se sont dit quelle drôle d'idée de s'engager en politique,
Et c'est vrai qu'il faut un peu de courage pour s'engager en politique dans un moment où les politiques sont si décriées. Et puis, ce combat des régionales m'a révélé que cet engagement politique, parfois, eh bien, il n'était pas que noble, parce que nous avons des opposants socialistes qui n'hésitent pas à frapper bas. Tout à l'heure, Geneviève Darrieussecq évoquait un meeting dont j'ai eu aussi un compte-rendu assez atterrant, édifiant, nous pourrions dire, parce que messieurs Emmanueli et Rousset se permettent des attaques ad nominem, assez violentes. Alors effectivement, pour eux, une femme ne peut pas réussir autrement que par la promotion canapé. Ben, je vous rassure, en 20 ans, j'ai quand même réussi à m'en sortir sans ça. Pour eux, une femme est forcément incompétente. On ne connaît pas ses chiffres, on ne connaît pas ses dossiers. Quand on sort des chiffres, on est menteuse. C'est encore le joli qualificatif dont m'a affublé Alain Rousset lors de notre dernier débat télévisé sur TV7. Je vous invite à le regarder parce qu'on voit que M. Rousset, lui, ne connaît pas les chiffres de la région qu'il dirige depuis 18 ans. J'avoue que c'est inquiétant. Et puis, malheureusement, c'est... On l'a vu, tous les coups sont permis. Donc, aujourd'hui, moi je dirais que, parce que je suis optimiste de nature, qu'il faut tourner ça en positif. Et se dire que cette fébrilité, cette agressivité, ce qui était, vous l'avez dit tout à l'heure Geneviève, de la misogynie, du sectarisme, eh bien effectivement, et beaucoup de suffisance et souvent dans un comportement extrêmement méprisant, est devenu un comportement carrément méchant. Eh bien mes chers amis, moi je me dis que s'ils en sont là, c'est qu'ils ont peur. Et que ça veut dire que cette campagne, elle est en train de prendre sur le terrain et que nous les inquiétons si fortement qu'ils en sont là. Et donc je crois que c'est un message d'espoir pour nous tous. Les 6 et 13 décembre prochains, nous pourrons gagner cette grande région. Eh bien, cette région, cette grande région, cette très grande région, devrais-je dire, 84 000 km², je l'aurais parcourue de long en large et en travers. Je vous donnerai le total des kilomètres qu'on déclarera dans nos comptes de campagne. Je pense que ce sera impressionnant. Mais l'avantage de cette grande région, c'est qu'elle me permet aussi d'être au contact des habitants, de leurs préoccupations. Et ça permet effectivement d'écouter les Français et d'entendre ce qu'ils ont à nous dire. Et moi, ce qui me rassure, c'est que pendant ces 6 mois, j'ai vu des Français qui sont très fiers et très attachés à leur terre et à la France, qui aiment leur travail et qui, pour beaucoup, souhaiteraient même travailler encore davantage, qui se sont sentis, pour certains, complètement oubliés, oubliés de la politique nationale, oubliés de la politique régionale. On voit aussi des Français qui en ont assez, des gens qui abusent du système. On voit des Français qui voudraient une région qui soit plus juste, plus équitable, plus respectueuse des territoires dans lesquels ils vivent. On voit des Français qui voudraient payer moins d'impôts et qui en ont assez de la gabegie d'argent public, notamment dans ces grandes collectivités que sont les régions. On voit des Français qui veulent du mérite, la reconnaissance du mérite et que les efforts soient récompensés. On voit des Français qui ont besoin d'accompagnement, mais pas forcément d'assistanat. On voit des Français qui veulent qu'on s'attaque enfin et vraiment à la lutte contre le chômage. Alors le projet que nous portons tous ensemble, mes 184 colistiers et moi-même, c'est un projet ambitieux, fait de convictions, d'idées et d'écoute des volontés de ces habitants de cette grande région. Alors, brièvement, je vais vous décrire un petit peu les grands piliers de ce projet. Le premier pilier, c'est un pilier économique, car comme vous le savez, la région sera, depuis la loi NOTRe, le chef de file du développement économique. Mais comme vous l'avez dit tous les deux, Geneviève Darrieussecq, Alain Juppé tout à l'heure, on veut des politiques qui soient humbles. Et le développement économique de ce pays, il faut le dire, ce n'est pas les politiques qui le font. Ce sont les artisans, les commerçants, les agriculteurs, les TPE, les PME. C'est eux qui créent l'emploi dans ce pays et c'est eux qu'il faut accompagner, libérer, faciliter leur travail et rendre tout ça plus simple alors qu'aujourd'hui c'est toujours plus compliqué.
Alors quand j'entends M. Rousset nous expliquer qu'en fait il faudrait doubler la CVAE, c'est-à-dire l'impôt payé par les grandes entreprises pour inverser la courbe du chômage, je me dis que définitivement nous n'avons pas eu les mêmes cours d'économie. Alors nous, ce que nous voulons... c'est faciliter les aides aux entreprises. Aujourd'hui, c'est un maquis incompréhensible de 391 aides qui vont à 70% à l'industrie. Seuls 16% des aides vont aux TPE, aux artisans, aux commerçants. C'est simplement 8 millions d'euros sur un budget d'1,4 milliard d'euros dans cette région Aquitaine. Eh bien, nous voulons élargir les aides pour qu'elles aillent directement à ceux qui créent l'emploi, aux artisans, aux commerçants et aux TPE. C'est un engagement que nous prenons et comme tous les engagements que nous prenons, ils sont financés. J'ai fait un business plan, un budget, des dépenses, des recettes et nous ne proposons rien qui ne soit pas financé, finançable et que nous pouvions mettre en œuvre durant les 6 prochaines années. Alors, pour favoriser les artisans, les commerçants, les TPE, les PME, c'est bien sûr la mise en place d'avances remboursables. C'est aussi le fait de faire du microcrédit pour les artisans et les primo-entrepreneurs. C'est aussi le soutien à la transformation numérique. Et puis, il y a un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Pour M. Alain Rousset qui vient du business, il n'a pas vraiment compris qu'une des préoccupations majeures des acteurs économiques, c'est la trésorerie. Et la région se doit d'être exemplaire en la matière et nous nous engageons à payer les entreprises fournisseurs de la région à réception de factures. Autre sujet très important pour notre TPE et PME locales, c'est de pouvoir accéder au marché public. Et pour ça, nous en prenons aussi l'engagement. Il faut réaliser des allotissements qui permettent, sur des gros marchés publics, de laisser des TPE et des PME accéder à ces marchés et nous ferons la préférence locale. On ne va pas quand même laisser cette mesure que nous avons déjà commencé à mettre en œuvre à la mairie de Bordeaux, que nous pouvons être dans les faits au seul Front National. Le Front National dit que c'est une de ces mesures. Non, c'est déjà fait dans des mairies bien gérées, à l'instar de Bordeaux. Pas de développement économique sans connectivité numérique. Donc ça, c'est un sujet fondamental. C'est le pilier du développement économique. Avant de parler des aides aux entreprises, qui sont, somme toute, très négligeables au regard du très gros budget de la région, le vrai problème, c'est le rattachement au numérique. Et nous, ce que nous voulons et ce que nous allons faire, c'est que 100% de la population soit connectée au très haut débit pour 75% et au haut débit pour 25%. Il faut que 100% de la population puisse avoir accès au haut ou au très haut débit dans les 6 prochaines années et qu'on mette fin aux zones blanches ou grises dans cette grande région qui sont des freins évidents au développement économique. Pas de développement économique non plus sans les routes. Alors, vous l'avez dit, Monsieur le Premier ministre, tout à l'heure, quand on voit que le président socialiste nous promet et a signé à grand renfort de tambours et trompettes avec le Premier ministre un contrat de plan État-Région pour les 5 prochaines années qui met zéro de la part de la région sur les routes, mais comment peut-il se prétendre le chantre du développement économique ? Les routes, c'est essentiel. C'est à la fois avec le numérique, ce qui permet de désenclaver les territoires et d'apporter le développement économique. Donc nous en avons besoin. Nous allons mettre 110 millions d'euros sur les routes. Et bien évidemment, en mettant 110 millions d'euros sur les routes, comme nous ne sommes pas le seul financeur, nous créons un effet de levier qui fait qu'avec l'État, et bien nous pourrons porter des projets à 200 ou 300 millions d'euros supplémentaires sur les routes. Le grand territoire régional en a besoin, c'est un engagement que nous prenons et qui est essentiel. Mais ce n'est pas seulement les routes, vous le savez, la région est aussi responsable des transports ferroviaires. Et là, dans le domaine des TER, bis repetita placet. Et là, dans le domaine des TER,
nous nous engageons à lancer un grand plan Marshall des transports parce que c'est essentiel de moderniser nos lignes ferroviaires. Nos TER sont vétustes, rarement à l'heure. Et nous avons aussi un point majeur, et les événements récents, malheureusement, nous les ont rappelés, c'est la sécurité. La sécurité dans les trains, la sécurité dans les gares est un sujet dont la région ne pourra pas dire que ce n'est pas de sa responsabilité. Nous devons nous y intéresser. Nous l'avions mis dans notre projet avant les douloureux événements de la semaine dernière. Encore plus aujourd'hui, nous mettrons 10 millions d'euros sur la sécurité, 70 millions d'euros sur la rénovation des lignes ferroviaires et sur une autre négociation avec la SNCF. Alors quand je suis en débat face à mon opposant socialiste, et que je lui dis que quand même, c'est pas une fatalité de voir les TER sans arrêt en retard et les lignes qui sont de plus en plus vétustes, il me dit « Ah oui, c'est vrai ». Et quand je lui dis que les pénalités vis-à-vis de la SNCF sont faibles, il me dit « Vous avez raison ». Mais qu'a-t-il donc fait depuis 18 ans? Alors si nous voulons renégocier avec la SNCF, eh bien j'ai proposé l'ouverture à la concurrence des lignes SNCF. Ça fait baisser de 20% le coût, c'est ce qui s'est passé en Allemagne, mais surtout, ça nous donnera un levier de négociation avec la SNCF pour améliorer considérablement le réseau de TER. Et puis dans notre projet, très important pour nous, c'est la justice et l'équité. C'est aussi de veiller à ce que chacun puisse avoir les chances de réussite. Et pour ça, la formation est un pilier majeur de notre projet. Nous voulons doubler le nombre d'apprentis pour cette grande région. Parce que l'apprentissage, c'est noble, parce que l'apprentissage, ça porte ses fruits, parce que 85% des apprentis ont immédiatement un emploi et deviennent demain des chefs d'entreprise de talent. Donc nous mettrons le paquet sur l'apprentissage, c'est 220 millions d'euros que nous mettrons sur l'apprentissage pour à la fois développer les CFA et les financements de CFA, mais également pour abonder les entreprises de plus de 11 salariés qui ont vu leurs aides annulées par les lois socialistes votées, une fois encore par mon opposant socialiste député. Et c'est aussi travailler sur le transport et l'hébergement des apprentis. Et puis la formation professionnelle, c'est un sujet important pour cette grande région. Nous devons mieux flécher les formations vers les besoins. Aujourd'hui, dans cette région, nous avons des emplois non pourvus dans le domaine du bâtiment, dans le domaine de l'hôtellerie, dans le domaine de la restauration, parce qu'ils ne trouvent pas la main-d'œuvre formée à ces métiers. Eh bien, demain, nous voulons simplifier la formation, aujourd'hui plus de 330 formations différentes, dont beaucoup ne mènent à rien, et aider à mieux matcher l'offre et la demande, que la formation débouche sur un emploi. C'est ça que nous voulons faire, et nous allons le faire avec des moyens supplémentaires. Alors vous pourriez vous dire comment elle trouve ces moyens, je vais vous le dire tout de suite. Nous allons prendre des décisions. Mon opposant socialiste, tout seul, lui, a décrété que dans les Pyrénées-Atlantiques, il fallait ressusciter une ligne ferroviaire touristique entre Pau et Canfranc. C'est 470 millions d'euros d'argent public. L'État a refusé, le département a refusé, les élus locaux ont refusé, mais M. Rousset, tout puissant, a décidé de faire cette ligne qui sera structurellement déficitaire et qui n'apporte pas grand-chose, hormis, bon, je n'ose penser que c'est parce qu'il a une maison à proximité. Donc nous arrêterons cette ligne, et c'est déjà 100 millions d'euros qui ont été investis, mais nous récupérons à la stoppant 370 millions d'euros, et c'est comme ça que nous financerons le développement du numérique, 260 millions, et les routes, 110 millions, donc c'est totalement financé. Et pour l'apprentissage, pour les TPE-PME, pour l'agriculture, pour tout le reste de nos efforts, nous allons chercher les économies dans le train de vie de la région. Parce que quand on regarde de près cette région, M. Rousset a multiplié par 3 les effectifs en 5 ans pour le siège du Conseil régional, sans qu'aucun changement de périmètre n'ait eu lieu.
Si vous regardez les dépenses de bouche, de véhicule, de fonctionnement, de déplacement, de réception, de voyage à l'étranger, je pense que, et c'est l'hypothèse que nous avons prise dans notre budget, réduire de 5% par an toutes ces dépenses, quel patron de TPE ou de PME ne sait pas le faire? Donc nous le ferons à la grande région et nous récupérons 300 millions d'euros sur les frais de fonctionnement de cette grande région. Et puis, je le dis aussi, les fonctionnaires qui partent à la retraite, on ne va pas les remplacer. Pour une raison simple, on nous a expliqué que cette loi NOTRe visait à faire des économies, qu'on allait fusionner trois régions. Eh bien, fusionnons les trois régions, nous ne garderons pas trois DRH, trois directions financières, trois directions de l'agriculture. Vous savez que le personnel fonctionnaire est protégé, mais à minima, nous devons le dire et l'assumer, nous ne remplacerons pas les départs à la retraite. C'est comme ça que nous gagnerons des finances importantes pour les investissements de demain. C'est l'équité, c'est aussi le droit à la santé et à la solidarité près de chez soi. Et là, nous devons remettre aussi en marche une politique qui favorise la création de maisons de santé dans la ruralité, qui favorise le développement des généralistes et des spécialistes, pas uniquement dans les grandes villes. Et quand vous voyez ce que le député socialiste Rousset a voté avec la loi Touraine, qui met à mal la santé dans ce pays avec le tiers payant généralisé dont personne ne voulait, avant de nous expliquer dans les quelques jours qui suivent son projet de gratuité dans les transports, parce qu'avec les socialistes tout est gratuit, le tiers payant généralisé c'est la gratuité des soins, les transports c'est la gratuité pour tous, surtout à quelques semaines des élections, mais rassurez-vous, tout ça n'est pas gratuit pour vous parce que tout se retrouve en impôts. Donc nous, ce que nous voulons, c'est remettre une machine en route, notamment en ruralité, par le numérique, par les routes. C'est le désenclavement, mais la nécessité, le point essentiel, c'est la santé et c'est l'éducation. Et nous nous engageons à développer les maisons de santé dans la ruralité, comme à développer la construction en milieu très rural pour lutter contre la désertification et offrir une nouvelle vie à nos villages et à nos centres. Un point important dans notre projet, c'est notre volonté farouche de défendre nos racines, de défendre notre culture. Et là encore, la culture, c'est le reflet de ce que nous sommes. Et nous avons besoin de protéger notre culture et de protéger aussi notre patrimoine culturel, nos églises, nos lieux qui sont si enviés par nos touristes. Et je rappelle que nous serons demain la deuxième région touristique de France. Donc nous mettrons des moyens sur la réhabilitation de notre patrimoine. Et puis, nos racines, c'est aussi notre terre, nos bois et nos forêts. Et c'est pas dans les Landes que je vais quand même oublier d'en parler. Nous sommes riches de notre culture du travail de la terre et de ses fruits. Alors, je crois que nous devons être fiers d'être la première région agricole d'Europe et nous devons être fiers d'être la première région bois et forêt de France. Et pour ça, il ne faut pas qu'on s'endorme et il faut qu'on continue à mettre des moyens. Quand mon opposant socialiste a réduit les crédits à l'agriculture de 5 millions d'euros. Nous voulons financer la modernisation des exploitations et du matériel agricole. Nous voulons accompagner les métiers de la terre dans leur défense comme dans leur développement, et j'en ai parlé, via aussi la formation et l'apprentissage. Bien sûr, nous avons un vrai sujet d'accessibilité à l'eau et nous serons favorables à toutes les rétentions, les petites, on ne va pas reparler des barrages de Sivin, c'est de toutes ses conséquences, mais en revanche, nous devons permettre l'accessibilité pour nos agriculteurs à l'eau et favoriser les rétentions d'eau. Puis nous devrons affirmer haut et fort que les agriculteurs, comme les chasseurs, sont les premiers défenseurs de l'environnement et de nos espaces. Et que la
la protection de l'environnement, ce n'est pas l'apanage des écologistes de gauche, que nous aussi, nous sommes des défenseurs de l'environnement. Et nous voulons rappeler que les agriculteurs ne sont pas des fonctionnaires européens, mais des vrais entrepreneurs français qui prennent des risques et qui travaillent dur et qui ont besoin de tout notre respect et de tout notre soutien. Et enfin, dans ce projet, nous allons vouloir mettre le respect des territoires au cœur de notre action demain. Le respect des territoires, c'est de l'équité dans le traitement de ces 12 départements. Aujourd'hui, nous avons une région qui est extrêmement centralisée. Tout se décide à Bordeaux, tout se décide beaucoup dans le bureau du président du conseil régional actuel. Eh bien, nous voulons bien sûr faire de Bordeaux la capitale régionale, incontestée, incontestable. Ça a été une évidence pour tous et comme le rappelait Monsieur le Premier ministre, c'est une chance pour notre région d'avoir une telle capitale régionale qui rayonne au-delà des frontières même de cette grande région. Mais nous voulons garder des capitales territoriales fortes, nous voulons garder à Poitiers, à Limoges et au Pays Basque des capitales territoriales qui gardent des fonctionnaires territoriaux, mais qui gardent aussi des directions. Non, nous ne concentrerons pas à Bordeaux toutes les directions régionales. Non, nous ne concentrerons pas à Bordeaux tous les cadres A de la fonction publique. Nous avons besoin de diriger cette grande région différemment, en réseau, grâce au numérique, passer un cap vers la modernisation, vers la vidéoconférence, vers le télétravail. Tout ça, c'est la modernité et notre conseil régional doit faire ce que font toutes les entreprises de France et de Navarre, c'est-à-dire évoluer vers une modernité que peut nous permettre le numérique demain. Et puis, le respect, c'est aussi de se mettre à la place de chacun, pour que la région puisse devenir accessible à tous. Nous avons besoin, dans le paradoxe de cette loi NOTRe qui a créé des régions immenses, et bien finalement de rapprocher la région des citoyens. Et pour ça, il faut surtout d'abord et avant tout de la simplification de normes, de réglementation, de paperasserie. Alors nous nous y sommes engagés, nous voulons supprimer 100 contraintes par an. Il y a des toutes petites contraintes qui vont juste à augmenter le temps d'ouverture d'un service. C'est supprimer une contrainte, augmenter juste la durée d'ouverture d'un service. Mais c'est aussi supprimer un certain nombre de réglementations et de formulaires. Et j'ai proposé que l'administration remplisse elle-même les formulaires qu'elle génère pour se rendre compte de la lourdeur, de la redondance, voire de l'inutilité d'un formulaire. Compris, ce que l'on veut faire, c'est d'abord et avant tout de remettre du bon sens dans l'action publique. Moi, je crois à ça, je crois au bon sens et au bon sens paysan, je devrais dire, et c'est une fille de viticulteur qui vous le dit. Alors, je vous le dis, nous allons, grâce à vous, grâce à votre mobilisation, grâce à votre engagement, grâce au fait que nous avons cette envie collective de changement, réussir le défi de cette grande région et gagner les élections régionales des 6 et 13 décembre prochains. Alors, pour ça, je voudrais aussi paraphraser Georges Pompidou, parce qu'on a une volonté commune qui nous anime, c'est qu'on arrête d'emmerder les Français. Vos